De son corps, n'a jamais vu ses propres entrailles. Il aperçoit rarement son sang. S'il le voit, il s'en inquiète. Il n'est autorisé par la nature à connaître que la périphérie de son corps. Reconnaissons d'ailleurs qu'il n'en a cure. Rien n'est plus flagrant, ni plus étonnant que cette faculté de l'homme de vivre tranquillement en plein mystère, en pure ignorance de ce qui le touche au plus près ou le plus gravement. Curieuse insouciance, l'homme est intrépidité et progrès. Il va de l'avant avec enthousiasme, gaieté, courage. Il a le sentiment d'avoir essentiellement quelque chose à découvrir et il procède à peu près comme ces insectes qui battent incessamment de leurs antennes aveugles qu'ils sont dans un mystère géographique total. Aussi, l'homme est-il curieux plutôt de son entourage que de lui-même, du monde, de ses accidents, de ses ressources? Il tente à s'y promener à toutes les allures possibles et à l'aise, à le détruire, à le recomposer. Ce soir à l'artisterie, avec ses notes premières de l'homme, Francis Ponge, avec Henri, René, Gérasim et Jean, nous y ferons halte un moment, suivant le conseil de l'oracle, pour explorer l'humain en poésie, ses états d'âme, ses lumières et ses folies. Tout d'un coup, sans cause visible, s'étend sur moi un grand frisson de bonheur. Venant d'un centre de moi-même si intérieur que je l'ignorais, il m'est, quoique roulant à une vitesse extrême, il met un temps considérable à se dérouler jusqu'à mes extrémités. Ce frisson est parfaitement pur, si longuement qu'il chemine en moi, jamais il ne rencontre d'organes bas, ni d'ailleurs d'aucune sorte, ni ne rencontre non plus idée ni sensation tant est absolue son intimité. Et lui et moi sommes parfaitement seuls. Peut-être bien, me parcourant dans toutes mes parties, demande-t-il parfois à celle-ci, « Eh bien, ça va, puis-je faire quelque chose pour vous ici ?» Peut-être qu'il les réconforte à sa façon, mais je ne suis pas mis au courant. Je voudrais aussi crier mon bonheur, mais quoi dire, cela est si strictement personnel. Bientôt,
La jouissance est trop forte sans que je m'en rende compte. En quelques secondes, cela est devenu une souffrance atroce, un assassinat. La paralysie, me dis-je. Je fais vite quelques mouvements, je m'asperge de beaucoup d'eau, ou plus simplement, je me couche sur le ventre et cela passe. Parfois, tout d'un coup, sans cause visible, s'étend sur moi un grand frisson de bonheur. Et lui et moi sommes parfaitement seuls. L'homme s'éloigne à regret de son labyrinthe. Les mythes millénaires le pressent de ne pas partir. Colère, chez moi, ne vient pas d'emblée. Si rapide qu'elle soit à naître, elle est précédée d'un grand bonheur, toujours et qui arrive en frissonnant. Il est soufflé d'un coup et tout en moi se met en boule. La colère prend son poste de combat et mes muscles qui veulent intervenir me font mal. Il n'y a aucun ennemi! Cela me soulagerait d'en avoir, mais les ennemis que j'ai ne sont pas du tout des corps à battre, car ils manquent totalement de corps! Cependant, après un certain temps, la colère cède, par fatigue peut-être, car la colère est un équilibre qu'il est pénible de garder! Il y a aussi la satisfaction indéniable d'avoir combattu et l'illusion encore que les ennemis s'enfuirent, renonçant à la lutte. On s'étend sur le ventre. L'âme se déboîte et s'en va. Elle s'en va en nageant. Si votre âme s'en va quand vous êtes debout ou assis, ou les genoux ployés ou les coudes, pour chaque position corporelle différente, l'âme partira avec une démarche et une forme différente. C'est ce que j'établirai plus tard. On parle souvent de voler, ce n'est pas ça, c'est nager qu'elle fait. Et elle nage comme le font les serpents et les anguilles, jamais autrement. Quantité de personnes ont ainsi une âme qui adore nager. On les appelle vulgairement des paresseux. Quand l'âme se détache par le ventre pour nager au loin, il se produit une telle libération de je ne sais quoi. C'est un abandon, une jouissance, un relâchement si intime. Thank you.
la rue, suivant l'audace ou la timidité de l'homme, car toujours elle garde un fil d'elle à lui. Et si ce fil se rompait, il est parfois très ténu, mais c'est une force effroyable qu'il faudrait pour rompre le fil. Ce serait terrible pour eux, pour elle et pour lui. Quand donc elle se trouve occupée à nager au loin, par ce simple fil qui lie l'homme à l'âme, s'écoule des volumes et des volumes d'une sorte de matière spirituelle, comme de la boue, comme du mercure, ou comme un gaz, puissance sans forme. C'est pourquoi le paresseux est indécrottable, il ne changera jamais. C'est pourquoi aussi la paresse est la mère de tous les vices. Car qu'est-ce qui est plus égoïste que la paresse? Elle a des fondements que l'orgueil n'a pas. Mais les gens s'acharnent sur les paresseux, tandis qu'ils sont couchés. On les frappe, on leur jette de l'eau froide au visage et ils doivent vivement ramener leurs âmes. Ils vous regardent alors avec un regard de haine que l'on connaît bien et qui se voit surtout chez les enfants. L'homme oublie souvent encore qu'il est femme et enfant d'abord. Le désespoir à quatre paires de jambes, quatre paires de jambes aériennes, volcaniques, absorbantes, symétriques. Il a cinq paires de jambes, ou six paires de jambes aériennes volcaniques, sept paires de jambes volcaniques. Le désespoir a 7 et 8 paires de jambes volcaniques, 8 paires de jambes, 8 paires de chaussettes, 8 fourchettes aériennes absorbées par les jambes, 8 fourchettes symétriques à ses 9 paires de jambes, 10 paires de jambes absorbées par ses jambes, c'est-à-dire 11 paires de jambes absorbantes symétriques. Le désespoir à 12 paires de jambes, 12 paires de jambes, la 13 paires de jambes. Le désespoir à 14 paires de jambes aériennes volcaniques, 15 paires de jambes. Le désespoir à 16 paires de jambes, 16 paires de jambes. Désespoir à 17 paires de jambes absorbées par les jambes, 18 paires de jambes et 18 paires de chaussettes. Il a 18 paires de chaussettes dans les fourchettes de ses jambes, c'est-à-dire 19 paires de jambes
le désespoir à 20 paires de jambes, le désespoir à 30 paires de jambes. Le désespoir n'a pas de paire de jambes, mais absolument pas de paire de jambes. Absolument pas, absolument pas de jambes, mais absolument pas de jambes. L'homme est capable de faire ce qu'il est incapable d'imaginer. Sa tête sillonne la galaxie de l'absurde. Et pourtant, ce n'est qu'une petite chose. Mon malheur était beaucoup plus considérable. Il avait des propriétés, il avait des souvenirs, des excroissances du lest. C'était moi. Mais ce bonheur, probablement, oh oui, avec le temps, il se forgera une personnalité. Mais le temps, il ne l'aura pas. Le malheur va revenir. Essieu ne peut être bien loin. Il approche. N'étant jamais définitivement modelé, l'homme et receleur de son contraire.
l'homme ignore à peu près tout de son cœur, de son âme, de son esprit. L'on ne peut s'approcher de l'homme. L'esprit de l'homme ne peut s'approcher de l'idée de l'homme qu'avec respect et colère à la fois. L'homme est un dieu qui se méconnaît. L'homme et son appétit d'absolu, sa nostalgie d'absolu. Oui, c'est une caractéristique de sa nature. Mais l'autre, moins observé, est sa faculté de vivre dans le relatif, dans l'absurde. Qu'est-ce que cet appétit d'absolu? Un reliquat de l'esprit religieux? Une projection, une extériorisation vicieuse? Il faut réintégrer l'idée de Dieu à l'idée de l'homme. Vous le savez, car vous en êtes, Gaïa la Terre, ami du souffle, troué de part en part, de l'équilibre du moi à l'équilibre du monde, tout n'est qu'une question de niveau ou d'échelle. Cet homme, sobre et simple, qui veut vivre selon sa loi, son équilibre heureux, il se forge dans la tuerie actuelle, ou plutôt, c'est sa dernière épreuve, son dernier feu de forge après des siècles d'une longue ferronnerie. L'homme est à venir, l'homme est l'avenir de l'homme. Ecce homines, pourra-t-on dire plus tard. Ou plutôt non, ecce ne sera jamais le mot juste, ne voudra jamais rien dire de juste. Non pas voici l'homme, mais veuille l'homme. Qu'as-tu fait de ta vie, pitance de roi? J'ai vu l'homme. Il avait le sérieux de la puce qui saute, mais son saut était rare et réglementé. Sa cathédrale avait la flèche molle. Il était préoccupé, il ne regardait pas. Le ciel, demeure des dieux, il regardait le ciel, suspect d'où pouvaient sortir à tout instant des machines implacables. Il avait plus de cernes que Dieu, plus de barbe que de peau, plus de boue que de capote, mais son casque était toujours dur. Vite partait l'homme, vite partait l'obus. Je n'ai pas vu paisible l'homme au fabuleux trésor de chaque soir pouvoir s'endormir dans le sein de sa fatigue amie, mais je l'ai vu agité et sourcilleux. Sa façade de rires et de nerfs était grande. Mais
Elle mentait, son ornière était tortueuse, ses soucis étaient ses vrais enfants. Depuis longtemps, le soleil ne tournait plus autour de la terre. Tout le contraire. Puis il lui avait encore fallu descendre du singe. Il continuait à s'agiter comme une flamme brûlante. Mais le torse du froid, il était là, sous sa peau. Je n'ai pas vu l'homme comptant pour homme. J'ai vu... Ici, on brise les hommes. Ici, on les brise. Là, on les coiffe. Et toujours, ils serrent. Piétiné comme une route, il sert. Je n'ai pas vu l'homme répandant autour de lui l'heureuse conscience de la vie, mais j'ai vu l'homme comme un bon bimoteur de combat, répandant la terreur et les mots atroces. Il avait, quand je le connus, à peu près 100 000 ans et faisait facilement le tour de la terre. Il n'avait pas encore appris à être bon voisin. Il courait parmi eux des vérités locales, des vérités nationales. Mais l'homme vrai, je ne l'ai pas rencontré. Toutefois, excellent en réflexe et somme toute presque innocent, l'un allume une cigarette, l'autre allume un pétrolier. Je n'ai pas vu l'homme circulant dans la plaine et les plateaux de son être intérieur, mais je l'ai vu faisant travailler les atomes et de la vapeur d'eau, bombardant des fractions d'atomes qui n'existaient peut-être même pas, regardant avec des lunettes son estomac, sa vessie, les os de son corps, se cherchant en petits morceaux, en réflexe de chien. Je n'ai pas entendu le chant de l'homme. De la contemplation des mondes, le chant de la sphère, le chant de l'immensité, le chant de l'éternelle attente. J'ai vu les visages de l'homme, j'ai vu la femme monotone, à l'ennui facile, avec l'organe d'un... avec la honte d'un organe honteux, faisant la douceur de ses yeux, les ornements dont elle se couvrait, qu'elle aimait tant, disait moi, moi, moi. C'était donc bien lui, toujours l'homme, l'homme gonflé de soi, et qui veut se parfaire, et qui tâtonne, essayant de souder son clair et son obscur, avec des façons de liane, et de plus longs cheveux, c'était toujours le même. À la pente funeste, l'homme empiétant qui médite de peser sur votre destin. J'ai vu l'époque tumultueuse et mauvaise, avec les hormones de la haine et les pulsions de la domination. L'époque destinée à devenir fameuse, à devenir l'histoire qui s'y chamarrerait de l'envers de nos misères. Mais c'était toujours lui, ça tapait toujours sur le même clou. L'homme à la tête de chiffres et de supputations, la voûte de sa vie d'adulte sans issue et qui veut se donner un peu d'air, voudrait donner un peu de jeu à ses mouvements étroits et voulant se dégager davantage se coince. L'homme nouveau, l'homme insatisfait à la pensée caféinée, infatigablement espérant et qui tend les bras. Vers quoi les bras ne peuvent-ils tendre? L'homme, plus nombreux que jamais, l'homme. Un instant excédé qui attend toujours et voudrait un peu de lumière. Comment ça va sur la Terre ? Ça va bien. Les petits chiens sont-ils prospères? Moi, bien, oui, merci bien. Et les vols
volcan? Ça mijote. Et les nuages? Ça flotte. Et les fleuves? Ça s'écoule. Et le temps? Ça se déroule. Et votre âme? Elle est malade. Le printemps était trop vert. Elle a mangé trop de salade. Quel est l'animal qui marche sur quatre pattes le matin, sur deux le midi et sur trois le soir? Quel est l'animal à deux pas d'ici, souvent le midi? Puis dans la lune jusqu'à la nuit. Quelle est la créature qui marche sur les mains, qui fait les 100 pas, qui allonge la jambe et qui se coupe l'herbe sous le pied? Quelle est la créature qui se coince des rires dans la gorge, qui s'étrangle de joie et qui meurt d'envie? Quel animal peut se sentir bête? Quel est l'animal qui l'oublie? Quelle est la bête qui se fait la belle? Quel est l'ange sans aile? Sapiens, sapiens, qui ne sait pas. Nous voulons nous étourdir à force de lampes et de bruit. Tous nos livres, toutes nos actions ne sont remplis que du fracas des jours. Et pourtant, ce qui nous gouverne, instinct, imagination, rêve, passion, pouvoir créateur, plonge dans une ombre sans contrôle. Nous implorons, nous espérons la lumière, tandis que par un effet contradictoire, cette obscurité qui nous terrifie nous alimente puissamment. Mais il y a autre chose, cette nuit si terrible apparaît bénéfique. L'embrassons, les yeux ouverts, dans la vérité du regard.